Salut à tous, une petite vidéo du soir. Je vois que j'ai la lumière au-dessus de moi, c'est magnifique. Je voulais juste intervenir, donner ma petite pierre. J'essaie de répondre le plus souvent possible sur le groupe. Et voilà, donc j'ai vu que j'avais pas fait de vidéo depuis quelques jours. Je voulais juste vous partager une petite réflexion. Il y avait une question donc sur le groupe qui était de comment on fait pour aller retrouver de la confiance quand on n'en a plus. Enfin, c'était un peu ça l'idée. Il y avait Alain qui en avait parlé aussi. Moi, je voulais vous parler de la technique du sac à dos. Je suis allé courir il y a quelques jours. Enfin, je suis allé recourir un peu. Et je vais vous faire cette vidéo ce jour-là. Et en fait, il flottait. Donc, je me suis dit, c'est pas une bonne idée. Donc, là, j'avais un petit moment. Donc, je vais vous en parler. C'est quoi pour moi la technique du sac à dos? En fait, c'est. Ben, en fait, toutes nos expériences, tout ce qu'on a fait, donc, du coup, nos ressources, eh bien, on les a en nous. Parfois, on cherche à l'extérieur. On s'appuie parfois sur ah, qu'est-ce que je sais pas faire, qu'est-ce que j'arrive pas, etc. Et on oublie tout ce qu'on sait faire. Et donc du coup, c'est important du coup de se remémorer, d'aller chercher finalement dans notre petite tête, dans notre petite boîte à souvenirs, ce qu'on a réussi à faire. Parfois, en fait, on n'arrive pas à aller chercher les bons éléments. Et je vais vous donner un exemple. Parfois que j'explique en formation. En atelier en tout cas, et j'explique que on prend par exemple l'exemple de quelqu'un qui sait pêcher. Alors, je t'emmène pêcher, et puis bon, bah, c'est super, tu sais pêcher, et je t'emmène pêcher des poissons bleus. Hein, poissons bleus, alors, imagine des poissons bleus ronds par exemple, et puis tu t'éclates, tu fais waouh, c'était génial, c'était super, waouh, c'était cool, ok. Et puis 2 3 jours après, je te ramène pêcher. Donc tu sais pêcher, hein, t'as une canne à pêche, et je t'amène en fait pêcher des poissons carrés rouges. Et en fait tu me dis tu sais plus. Et l'image c'est ça, c'est en fait c'est parfois on a du mal à reconnecter avec notre savoir-faire, avec notre savoir-être aussi. Et du coup on sait plus qu'on sait pêcher. Voilà, donc tu sais faire en fait plein de choses. Plein de choses, appuie-toi sur ton expérience, appuie-toi sur ce que tu as dans ton sac à dos. Voilà, c'est juste la pensée du soir. Eh bien, je vous dis à bientôt, je vous embrasse. Et merci encore d'être présent sur le groupe et puis d'être un petit peu plus nombreux. Hein, on a dépassé la quarantaine de personnes, c'est pas encore beaucoup. Mais j'espère que voilà, on va continuer à partager de belles choses et des belles choses de qualité. Merci à tous.